Vês, ele está a falar em código com mais alguém, não pode ser. Já, já. Ele está a falar, vira-te, vira-te. Well, I think they're almost ready to join us here on the grid with our grid girls. Hello, grid girls. Cuckoo. 34 drivers will take part in this Super Shifter final of the Yamaha International Final. Nous attendons 34 pilotes sur cette grille de départ de la catégorie Super Shifter. Je vous le rappelle, 175 cm³, moteur à boîte 6 vitesses. Très proche de ce que l'on a pu voir si vous étiez avec nous pour le championnat du monde KZ les 12 et 13 septembre dernier ici au Mans. La petite différence, donc 50 cm³ de plus pour avoir plus de fiabilité, mais la même puissance que les moteurs KZ. Et puis surtout le petit bouton qui permet de démarrer le kart sans avoir besoin de pousser. C'est la différence avec ce moteur construit donc en Italie par l'usine Yamaha. L'usine qui a développé le premier kart de, moteur de kart de compétition, c'était à la fin des années 50. Et puis des tas de moteurs mythiques, moi-même personnellement. J'ai piloté des moteurs de la gamme Yamaha dans les années 80. Et il continue à gagner de très grandes courses, même. Bien sûr, là nous sommes avec une coupe de marque, il n'y a que des moteurs Yamaha, donc forcément la Yamaha va gagner. Mais quand il y a des championnats du monde, des championnats d'Europe, la Yamaha est également présente face à ses concurrents dans le domaine des moteurs de kart. Et là, les pilotes, eh bien ça y est, ils quittent la pré-grille et ils vont donc maintenant nous rejoindre. Et on va faire le point donc des forces en présence dans quelques instants avec Jean-Pierre. So now they are approaching the grid and the grid girls with the pole sitter, the driver who won the pre-final. He comes from the United Arab Emirates. He drives an NLG kart. Congratulations for Sean Babington, the fastest starter since the event began. Always starting from the first row of the grid and always the fastest starter. Number 418, Sean Babington. He was recently the king of the DD2 category. He won several titles in this Rotax DD2 class, especially the World Final last year and also the Winter Cup, also in 2014. And he won the Euro Challenge in the senior class, not in DD2, but in the senior class in 2012. Sean Babington, so on pole position with a blue kart alongside number 469. That is Lorenzo van Riet, the Dutch driver. He's a late entry in the meeting at the wheel of a Maddox chassis. Third position on the grid for Portuguese driver number 406, Henrique Chaves, who won one of the heats and is driving a Zanardi kart. Matteo Vigano. He started from pole position in the heat and also in the pre-final, now in P4, but still among the favorites. Matteo Vigano, second in the Europa Challenge, the top car driver.
In fifth position, we have the second of the Portuguese drivers. Number 412 is Joan Sousa at the wheel of a Zanardi. He's the Portuguese champion in the category. And then we have the best of the French drivers, Antoine Fernandez, trying to concentrate on the grid with his number 423 kart. This is a Tony kart. Then we have Karl Massad, who comes from the Lebanon in seventh position with a CRG. Then Freddy Martins, the French driver with an energy kart in eighth position. Julian Furs is the German in Zanardi in P9, ahead of Frédéric Opdebeck from Belgium at the wheel of a Formula Gilles chassis named after the former Ferrari driver Gilles Villeneuve, who raced for Ferrari between 1977 and 1982. Then we have Jensen Adriansens, number 450 at 11th position from Belgium. Olivier Palmers is the Belgian champion this year. He's in P12 on the 12th spot on this grid. Christophe Wilbers is 13th. Vincent Herblot, 14th. Rui Carneiro, P15. Jérémy Demarque, he started from the third position and is down to 16th. So the young French driver is a rookie in the category. Julian Hanses is in P17 ahead of Taylor from South Africa. Loïc Langlais is a French driver, just like Steve Bauer and Nazim Bangui from L'Île de la Réunion. Thierry Delrey, the reigning champion who won the event last year and also in 2012, is in P22 ahead of Stéphane Doga, Eric Elemans, Sultan Haitham, Alexandros Anivas, Florian Davaille, Miguel Ramos, Corentin Grégoire, Sébastien Lanzetti, Vini Sobrevia, retired from the pre-final, Julien Goffin, Thiago Teixeira, Ali Al-Mansouri. So these are the 35 qualified drivers for the final of the Super Shifter class. And now, back to you, Jean-Pierre. Allez, ce sont les pilotes de la catégorie X30 Shifter, c'est-à-dire ces engins à 175 cm3, comme vous l'a dit Roman, avec boîte de vitesse 6. La première ligne, elle est occupée à la corde par le 418 Sean Bamington. Ce pilote qui nous vient des Émirats Arabes Unis, il est accompagné par l'Hollandais Lorenzo Van Rie, le 469, en seconde ligne. Le Portugais Henrique Chaves, le 406, il est accompagné par le 413. L'Italien Matteo Vigano, à la troisième ligne, le 412. Le Portugais Joan Sousa, à l'extérieur, le Français Antoine Fernandez, le 423, pilote qui, dans l'instant, est le meilleur Français. En quatrième ligne, le 424, le Libanais Karl Massad, avec à son côté le 468, le Français Freddy Martins. Sont la cinquième ligne, le 405, l'Allemand Julian Fuchs. Il est accompagné par le Belge Frédéric Opdebeck. Le 463 sont à la sixième ligne. Le Belge Jensen Adriansen, le 450, une ligne entièrement belge d'ailleurs, puisqu'à l'extérieur, nous y avons le 459 Olivier Palmer. En septième ligne, le Belge Christophe Wilbers, le 440, le Français Vincent Herblot. Et juste à son côté, Vincent qui a le numéro 465. À la huitième ligne, le 404, le Portugais Rui Carneiro, avec le jeune Français Jérémy Demarque, le 414, qui en est à l'extérieur. À la neuvième ligne, le 420, l'Allemand Julian Hans. Et à l'extérieur, le Sud-Africain Taylor, qui lui est le 409. En dixième ligne, le 445, le pilote français Loïc Langlais. L'extérieur pour le 451, s'agissant d'un autre français, Steve Bauer. À la onzième ligne, le réunionnais Nazim Bangui, le 407. Il a à son côté le 442, le belge Thierry Delrey. En douzième ligne, le 415, le français Stéphane Doga. À l'extérieur, Eric Elemans, le 441 de nationalité belge. À la 13e ligne, le 417, pilote des Émirats Arabes Unis, Sultan
Eitam, le 417, il est accompagné par le grec Alexandros Anibas, le 411. À la 14e ligne, nous avons Florian Dabaï, le 410. Ça fait plaisir de le voir en prix grille. Il est accompagné par le 416, le portugais Miguel Ramos. En 15e ligne, Corentin Grégoire, le 456, le belge qui est à son côté, le sud-africain Sébastien Lanzetti, le 466. En 16e ligne, Billy Sobrevia, le 443, et Julien Goffin, le 444. Ces deux pilotes qui sont de nationalité française. Et en 17e ligne, la dernière, Alain Corde, le portugais Thiago Teixeira, le 408. À l'extérieur, autre pilote des Émirats Arabes Unis, le 419, Ali Al-Mansouri. Driver in trouble, that's the French driver Tony Martin struggling to start his energy cart. Drivers are back on the grid now, waiting for the start of the final of the most important race for this year in the A30 Super Shifter class. And we have a classic pole sitter, Sean Babington, driver from the United Arab Emirates, driving an energy car. He won the pre-final with quite a gap, remember? So Sean Babington, who qualified second after the qualifying practice session, second after the heat, the fastest starter. Will he be as fast starting from pole position that he was and he was starting from P2? So the first gear is in the gearbox, so the lights will go off and we are racing in Le Mans for the last race of the weekend for Sean Babington, once again the fastest starter. Jean-Pierre, je crois que notre Sean Babington a encore réussi le meilleur départ. Oui, alors qu'un pilote a calé, il essaie de repartir, malheureusement pour ce pilote, il n'arrive pas à remettre son moteur en route. Alors s'il a de l'aide, à mon avis, ça paraît bien compromis. Il y a eu un accrochage en sortie de la courbe du module le 24. Aïe, 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 yes, two drivers have lost gear. I've lost gear in the first corner, but Sean Babington is leading the race in early stages. I think, unfortunately, the best French driver on the grid. I was forced to retire. We have a few
retirements in early stages. Unfortunately, Sean Babington, he have the yellow flags and cards have stopped in the first corner, in the second corner, also in the pit straight. So it's a little bit of confusion, I'm afraid. Sean Babington is leading Enrique Chavez, so the driver from the UAE, ahead of the Portuguese driver and the Italian Matteo Vigano, Jean-Pierre. Sean Babington, le 418, celui qui a réalisé l'autre shot et qui est toujours en position de leader actuellement avec un peu plus de 7 dixièmes sur le Portugais Enrique Chavez, le 406 qui est à la seconde position, ces pilotes qui passent pour la seconde fois dans le banking. To move the cards from the asphalt because of the gear, of course, that's in the gearbox. So it's difficult for the marshal struggling to put these cards in a safer position, I'm afraid. But they finally succeed, and it's Freddy Martin's cart which is stopped and couldn't start the race. Alors, côté français, bien c'est Vincent Herblot, le 465, qui est à la 7ème position actuellement. Alors que devant, Sean Babington ne laisse le soin à personne de mener dans cette finale Schefter, avec toujours ses 7 dixièmes d'avance sur le Portugais Enrique Chavez, le 406 en seconde position. Enrique qui a été rejoint par deux pilotes, avec l'Italien Matteo Vigano, le 413, et le Portugais Johan Souza, le 412. Matteo Vigano qui est revenu de loin malgré tout, car il avait connu un problème. Vous avez remarqué quelque chose, Roman? Bien non, j'ai regardé la bagarre justement D'accord. dont vous parlez, c'est-à-dire Enrique Chavez, Matteo Vigano et donc Johan Souza avec ces deux Portugais qui prennent l'Italien en sandwich. Alors un plaisir quand même, il a été amélioré par Babington à l'instant, mais dans le tour précédent c'était Florian Delaye qui avait réalisé le meilleur temps. Je n'ai pas eu le temps de relever son temps, mais ça fait plaisir de le voir alors qu'il s'était accidenté dans la pré-finale. Sean Babington, une seconde de dixième, va-t-il nous faire une démonstration comme il sait en faire? Le Portugais Enrique Chavez est toujours à la seconde position avec 4 pilotes derrière lui qui sont dans l'ordre: l'Italien Matteo Vigano, le Portugais Johan Souza, le 412, le Libanais Karl Nassad, le 424, et l'Hollandais Lorenzo Van Riet, le 469, qui est à la 6ème position. Ces pilotes qui arrivent déjà en bout de la ligne droite du chemin bleu. Et puis derrière, on est beaucoup plus loin avec Vincent Herblot, le 465, qui dans l'instant est en position isolée. Il est à la 7ème position, Vincent. Il va passer dans quelques instants devant nous. 54-191, c'est le meilleur temps dans l'instant réalisé par Babington. Yes, clearly the fastest driver, Sean Babington, the ex-king of the Didi-Doo Rotax, now shining in the X30 Supershifter cards, set a time of 54.191, and pulling away now with a gap of 1.8 seconds to Matteo Vigano, was able to overtake Enrique Chavez. So we have the two Portuguese in third and fourth at this stage, with also Karl Massad looking good with these four drivers battling together for P2. Pas de changement dans les 7 premières positions. La 8ème, elle est occupée maintenant par le français Nazim Bongui, le 407, qui en réalité, il est français, mais il nous vient de la Réunion. Sean Babington, et qui continue d'accentuer son avance, elle était de 1 seconde 839. On va peut-être avoir les 2 secondes d'avance maintenant sur Vigano. On n'en est pas loin, on en est à 1 seconde 254 millième sur l'Italien Matteo Vigano, le 413, qui est à la seconde position. L'Italien qui a distancé ses accompagnants, le plus proche en étant le Portugais Enrique Chavez, le 406 en troisième position. Il y avait un écart légèrement supérieur au 6 dixièmes lorsqu'ils sont passés à la fin du 5ème tour devant la tour de chronométrage. Ces écarts qui sont en train de s'accentuer actuellement, alors que pour la troisième position, ils sont 4. Chavez, Souza, Massad, le Libanais, et l'Hollandais Lorenzo Van Riet. Yes, it's still Sean Babington after 5 laps completed out of, it's just 17 laps to go in this final, maybe 12 laps to go anyway, after now 6 laps completed by the leader, who is also the fastest driver with a time of 54.027. Sean Babington leads with almost a 2-second gap
to the second placed driver, Matteo Vigano, the Top Kart official driver, who set pole position on Thursday night in the ninth practice, and also was the winner of the qualifying heats. Matteo Vigano running in second position ahead of the two Portuguese fighting together, Henrique Chaves, who won one heat on Friday, and also Joan Souza, who is the Portuguese champion of the category, who took his third national title this year in the super shifter class, which is the highest category in the Portuguese karting, so P3 and P4. And now it's Joan Souza overtaking his compatriot Henrique Chaves, ahead of Chaves, with Karl Massard and Lorenzo Van Riet, who started second on the grid, running in sixth position at the wheel of his Maddox chassis. Fin du 7e tour, Joan Souza, le Portugais, vient d'améliorer le meilleur temps en course. Il vient de réaliser ce 7e tour en 54 secondes et 18 millièmes. Joan Souza, il était à la 3e position. Il y a devant lui dans l'ordre Sean Babington, le 418, et l'Italien Matteo Vigano, le 413. Derrière Souza, à la 4e position, le Portugais Henrique Chaves, le 406. Le Libanais Karl Massad, le 424, est à la 5e position. Une information à donner peut-être, Roman? Oui, un pilote qui doit se présenter à la commission sportive, donc le numéro 377 en master. Il s'agit de Frédéric Capras, le pilote belge numéro 377 à la commission sportive. Le forcing de l'Italien Matteo Vigano, le 413 en seconde position, va-t-il le payer? Il était à pratiquement 2 secondes du leader, et ce à 9 tours de l'arrivée. Il est toujours à 1 seconde 9, donc mission difficile semble-t-il pour Vigano, qui vient d'améliorer le meilleur temps en course. 53 secondes, 863 millièmes pour Vigano. Par contre, derrière, eh bien, on est en train de prendre du retard sur l'Italien Joan Souza, le 412, et il est toujours en 3e position. Il est à pratiquement 1 seconde derrière maintenant, donc on peut supputer que concernant les deux premières positions, ce sera mission difficile pour les poursuivants pour aller les chercher. Mais enfin, tout pendant que le drapeau d'ami, le drapeau d'ami n'est pas passé, rien n'est fait. Supputez Jean-Pierre. Et pendant que vous supputez, eh bien, le leader est en tête, tout simplement. Sean Babington still leads the race. He is about to complete his ninth lap right now across the finish line and set a new fastest time, 53.861, this time 92.5 kilometers per hour average speed for Sean Babington. He has a gap which remains constant now. Matteo Vigano, as usual, a very consistent drive for the top car driver in second position, and the Portuguese are still fighting for the third position, with Joan Souza having the advantage at the moment on his compatriot Henrique Chaves. The battle for P5 is between Karl Massard and Lorenzo Van Riet, and I'm looking for the first of the French. It's Nazim Bangui from the Isle of the Réunion in 7th position, number 407. Si l'on regarde le tour par tour de Babington et de Vigano actuellement, ils roulent dans des temps qui sont sensiblement les mêmes. Lors de 53.861 sur un tour pour Babington, 53.984 pour Vigano. C'est donc la raison pour laquelle actuellement, eh bien, l'écart est même en train de se réduire. Il n'est plus que de 1.872 millième. Matteo Vigano, l'Italien, a repris un dixième dans le 10e tour sur le leader Sean Babington, le 418, et qui est parti, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, dans son 11e tour. Babington, il est toujours crédité du meilleur temps, réalisé ce meilleur tour en 53 secondes, 861 millièmes. Mais malgré tout, ayant réalisé le meilleur temps, ça ne veut pas dire pour autant qu'il accentue son avance, puisque c'est en train de s'est inversé dans l'instant. C'est l'Italien Matteo Vigano qui est en train de revenir sensiblement sur ce pilote des Émirats Arabes Unis et qui est en première position. Il est suivi par Matteo par deux pilotes portugais dans l'ordre. Joan Souza, le 412, en troisième position. Henrique Chaves, le 406, à la quatrième position. Pas de changement. Et Babington qui vient de remettre la pendule à l'heure. On retrouve déjà ces deux premières positions avec un écart de 1 seconde 966. Et ils sont toujours dans des temps similaires. Donc si la situation devait rester telle qu'elle est actuellement, je ne vois pas comment l'Italien pourrait aller chercher Sean Babington qui est devant lui. Il a remis doublement les pendules à l'heure, effectivement, avec ce super le meilleur tour en course, hein, un plus rapide qu'on a vu depuis le début de ce week-end. One of the fastest lap in the race since the beginning of the meeting.
Well, we have a beautiful sunny day here in Le Mans this weekend. Fantastic Sunday for racing. 53.789, that's the time Sean Babington was able to set to increase his gap to second place Matteo Vigano. Since the beginning of the meeting, we thought it would be between Sean Babington and Matteo Vigano, and that's the confirmation, and it's Sean Babington in the lead at the moment with the energy cart. 12 laps completed, 5 laps to go for the driver from the United Arab Emirates, ahead of the Italian, who was second this year in the Europa Challenge and could be again second in the international final. Sans changement concernant les deux premières positions, par contre, une inversion dans les positions entre les deux pilotes portugais. C'est Henrique Chaves, le 406, qui est à la troisième position maintenant avec, allez, on va dire, 6 longueurs d'avance actuellement sur Johan Souza, le 412, qui est à la quatrième position, un peu plus maintenant. On va dire 4 dixièmes, c'est par ces deux pilotes qui arrivent déjà en bout de la ligne droite du chemin bleu. Ils viennent de passer le virage du Technopark, ils vont passer maintenant dans le virage du paddock. Avec toujours ce même écart alors que Babington vient de boucler le 12e tour. Et un changement également pour la 5e place, Lorenzo Van Riet qui passe à l'instant devant Karl Massad dans le virage super spectaculaire juste avant la ligne droite des stands. And a change for P5 between Lorenzo Van Riet qui vient de... Pourquoi je parle français et anglais à la fois? Van Riet, the from the Netherlands. It's difficult to keep the concentration with my colleague, but I will try anyway. Karl Massad is now in 6th position, number 424 from the Lebanon. So Sean Babington leads Matteo Vigano. Where are they on the track at the moment? Let's have a look. Let's have a look at Matteo Vigano fighting. No, he's alone in 2nd position. The fight to maybe for 3rd position between the two Portuguese with Henrique Chaves once again ahead of Johan Souza. Un peu plus loin dans la course, en 14e et 15e position du changement, puisque nous avons le Portugais Miguel Ramos, le 416, en 14e position maintenant, et le Français Vinicio Bravia, le 443, à la 15e position, alors que devant, ça roule toujours très très fort pour Sean Babington, le 418, qui a 2 secondes, 209 millièmes d'avance maintenant sur l'Italien Matteo Vigano, le 413, pour Matteo, bien sûr, dans l'instant. Il a dû le comprendre d'ores et déjà. Le principal pour lui, c'est de conserver cette seconde position. Il a 1 seconde 315 sur le Portugais Henrique Chaves, le 406 en troisième position. Toujours la quatrième position pour Johan Souza, le 412. 53-789. Là, il semblerait que le meilleur temps ait été réalisé dans cette finale X30 Shifter. À savoir que Babington roule régulièrement 53-9, 53-8, 53-8, 53-7. Ce n'est pas du hasard si ce pilote continue d'accentuer son avance sur ses poursuivants. Il a 3 secondes, 3 dixièmes sur Henrique Chaves. Oh là là, que s'est-il passé? Disparition de Matteo Vigano. Sixième. Oh, il est en train de descendre, Matteo. Something happens, Jean-Pierre. It seems for the Italian driver Matteo Vigano. What do you think? Sean Babington still leading the race. What happens for... No. I think it's a false alarm, maybe. But Matteo is okay. Is Matteo Vigano still in second position at the wheel of his top cap? I guess so. Oh yes, it seems Matteo Vigano has had a problem. He's no longer on our timing screens at his second position, so this could be promoting the two Portuguese in second and third. Sean Babington in first position with in his last lap of the race. Now he's approaching the two Oaks. Sean Babington at the wheel of this energy cart, and the second and third positions now, a battle between two Portuguese drivers, Henrique Chaves and Johan Souza, exiting the chicane, and then it's Lorenzo Van Riet and Karl Massad. We will have 5 drivers in podium finish. Then Nazim Bangui, the fastest of the French drivers, come from the Isle of the Reunion. So, l'île de la Réunion en français. P6 for Bangui, ahead of Christophe Wilbers and Thierry Delray. Last year's winner must be a little disappointing. Couldn't find the right pace in this final to be higher than 8th. And this is the chequered flag for Sean Babington. Sean Babington wins, and in second position,
It's Henrique Chaves ahead of Johan Souza in the battle of the Portuguese. Lorenzo van Riet is in fourth position. Karl Mossart fifth. And Nazim Bangui, congratulations to Nazim for this brilliant sixth position in the Super Shifter Yami International Final. Eh bien, victoire de ce pilote des Émirats Arabes Unis, Sean Babington, le 418, qui a passé la ligne d'arrivée avec une avance de 3 secondes, 328 exactement, sur le Portugais Henrique Chaves, le 406. Troisième, un autre Portugais, Johan Souza, le 412. Babington sera super bien entouré sur le podium. L'Hollandais Lorenzo Van Riet, le 469, est à la quatrième position. Nous avons cinquième, le Libanais Karl Massad, le 424. Le Français Nazim Bangui, le 407, qui nous est venu de La Réunion pour cette finale mondiale. Yamé termine sixième, septième, le Belge Christophe Wilbers, le 440. Notre Belge Thierry Delray, le 442, est huitième. L'Allemand Julian Hans, le 429e. Jérémy Demarque, le 414, dixième. Et bien, c'est la meilleure performance. Et non, Nazim Bangui, pardon, qui est le premier des Français, qui termine au sixième rang. Derrière, Jérémy Demarque, onzième. Florian Davaille, le 410. Steve Bauer, également français, termine au douzième. Treizième, le Portugais Miguel Ramos, le 416. Quatorzième, Vinicius Brasileiro, le 404. Le 443, décidément, je veux que ce soit dans les 480. 15e, Vincent Herblot, le 465. Loïc Langlais, le 445. 16e, 17e, Janssen, Adrienssen. Mijn rembalans is stuk gegaan en is alleen maar op achter gegaan. John! Grande! Very good. Quelques mots sur ta course? Two on of the race? Yeah, it was really good. Really good, thank you. Good start and got a really good finish, so perfect. Yeah. So the time of the podium ceremony has changed. It's no longer 5 o'clock, it's 4:30, 4h30, 16h30, l'horaire pour le podium. Il était prévu originellement à 17h, mais nous l'avons avancé un petit peu parce qu'on est un petit peu en avance. Ça va arranger tout le monde, les journalistes, ceux qui ont un avion à prendre également, par exemple. Yes, so the time for the podium ceremony will be 4:30, and we wish to have you all to applaud for, to give a big round of applause to our champions of the year of the Yami International Final. So please join us for the podium ceremony in just 30 minutes now.